Bonjour et bienvenue à Manger Santé, guide simplifié. Cette semaine, on parle de ménopause et je vous propose entre autres deux recettes dont les ingrédients vont vous aider à réduire les symptômes reliés à la ménopause et ces ingrédients-là vont aussi vous aider à prévenir certaines maladies pour lesquelles les risques augmentent à partir de la ménopause. Je commence tout de suite avec les fameuses bouffées de chaleur et je vous partage quelques trucs en nutrithérapie et en naturopathie. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a plusieurs aliments qui peuvent empirer vos problèmes de bouffées de chaleur, comme le café, les épices, le chocolat et l'alcool. Donc, surtout en soirée, on évite. On tente de faire du sport, de bien gérer notre stress et de bien dormir. Donc, une chambre fraîche, une chambre noire va nous aider à avoir un sommeil réparateur, à être reposé. Ça va nous aider à réduire nos risques d'avoir des bouffées de chaleur. Au niveau alimentaire, beaucoup d'aliments que vous pouvez consommer qui vont vous donner une chance pour les bouffées de chaleur. Tout d'abord, vitamine E, contenue entre autres dans les noix, comme les amandes, les noisettes. On la trouve aussi dans l'avocat, qu'on va utiliser dans notre recette de déjeuner ce matin. Graines de tournesol, carottes, légumes à feuilles vertes, poivrons, le saumon, brocoli. Donc, la vitamine E, c'est un antioxydant en général, donc ça va aussi vous aider à réduire le risque de plusieurs maladies. Le magnésium, c'est indispensable pour le système nerveux en général, mais si vous avez une carence en magnésium, vos bouffées de chaleur pourraient être pires. Alors, assurez-vous de consommer, encore une fois, des légumes à feuilles vertes, du cacao, des lentilles, des fèves noires, des cachous, du riz brun. Et assurez-vous de consommer des gras polyinsaturés, comme les poissons gras, le thon, le saumon et les noix. Ça va vous aider énormément aussi. On entend parler souvent des phytoestrogènes, qui sont des substances qui, une fois ingérées par le corps, vont agir comme des oestrogènes naturels. On les retrouve entre autres dans le soya. Et d'ailleurs, si vous avez une petite crainte par rapport au soya, je vous invite à lire un article du Dr Béliveau. On va vous donner le lien au bas de l'écran. Cet article-là explique les dernières recherches qui ont été effectuées sur le soya, surtout à savoir qu'il n'y a pas nécessairement de problème pour les femmes pour lesquelles il y a une historique de cancer du sein dans la famille. La consommation du soya serait sécuritaire. D'ailleurs, en Asie, où on consomme beaucoup de soya, il y a plusieurs pays où il n'y a pas de terme pour décrire les bouffées de chaleur parce que les femmes qui consomment beaucoup de soya là-bas ont tendance à ne pas vivre ce problème-là. Le soya est une excellente source de phytoestrogènes. On essaie de consommer du soya biologique. Pensez aussi au soya fermenté, comme le tempeh ou le miso. Vous allez aller chercher des probiotiques en plus et vous vous donnez un petit coup de pouce au niveau santé osseuse. Outre le soya, des sources de phytoestrogènes sont le lin, les pois chiches, les légumineuses en général, le thé vert, les haricots verts, les olives, on va en mettre dans notre recette aujourd'hui, huile d'olive, les graines comme le tournesol, citrouille, les cerises, poires, pommes, il y en a vraiment beaucoup. Donc, en consommant beaucoup de végétaux en général, vous allez vous donner un coup de pouce avec les phytoestrogènes. Un autre problème qui dérange souvent les femmes en période de ménopause, c'est les sautes d'humeur, les petits symptômes dépressifs. Donc, tout d'abord, ce que vous pouvez faire, évidemment, c'est avoir une bonne hygiène de vie au niveau exercice, sommeil et gestion du stress. Vous pouvez aussi aller vous chercher un bon supplément de probiotiques. Je le dis souvent, mais le lien entre l'intestin et le cerveau est très important. Votre sérotonine, qui est l'hormone de la bonne humeur, est produite en grande partie dans l'intestin. Donc, en ayant une bonne flore intestinale, on se donne un coup de pouce. Notre corps réussit à produire plus de sérotonine et on a tendance à avoir une meilleure humeur. Le magnésium est particulièrement important pour le système nerveux, je le dis souvent, donc autant pour les bouffées de chaleur que pour les petits problèmes d'anxiété et d'humeur. Magnésium, donc encore une fois, légumes à feuilles vertes, cacao, lentilles, j'en ai parlé tout à l'heure, on veut en consommer. Les vitamines B aussi sont très importantes, tout le spectrum B pour le système nerveux, l'humeur. Donc, on en trouve entre autres dans la peau des céréales, donc on veut des grains entiers, pas les grains raffinés, là, les farines blanches, les pâtes blanches. Germes de blé, avoine qu'on va utiliser dans nos muesli aujourd'hui, légumineuses, poissons, volailles. Et si vous vous sentez particulièrement déprimé, là, la B9, le folate est particulièrement intéressant.
On le retrouve dans les légumineuses, épinards, asperges, avocats, brocolis, les fruits tropicaux aussi. Je vous ai parlé de sérotonine il y a un instant. Il y a des aliments qui contiennent naturellement de la sérotonine ou qui vont aider votre corps à en produire. Donc, les aliments qui sont riches en sérotonine ou précurseurs qu'on appelle la sérotonine sont entre autres le cacao, l'ananas, les aubergines, les avocats, les bananes, kiwis, noix et tomates. Donc, on consomme vraiment beaucoup de végétaux pendant la période de la ménopause. Ça nous donne un coup de pouce à plusieurs niveaux. Un autre problème fréquemment rencontré par les femmes en période de ménopause, ce sont les problèmes génito-urinaires. Donc, tout d'abord, on voit souvent plus d'infections urinaires à répétition. Donc, je vous mentionne certains trucs. Évidemment, boire souvent, faire attention aux produits parfumés en général, faire attention aussi lorsque les vêtements sont mouillés, hein, on retire le maillot de bain le plus rapidement possible. On porte aussi des tissus naturels comme le coton. Mais je veux vous mentionner deux excellents anti-infectieux. Il y a l'échinacée, entre autres, qui est un antibactérien, antifongique, qui est excellent pour le système immunitaire. Et on peut faire des cures de 15 jours. Donc, si vous avez tendance à faire fréquemment des infections urinaires, petite cure d'échinacée. Vous pouvez faire aussi une cure de cuivre. C'est le plus anti-infectieux de tous les oligo-éléments. Et il est excellent là, pour freiner les bactéries, les virus. On le retrouve, entre autres, dans le foie, dans les produits de la mer, les amandes, les avocats. Cacao, je vous le nomme souvent, riz brun, les grains entiers en général aussi, champignons et fruits secs. Vous pouvez aussi aller vous l'acheter en oligo-éléments, en supplément le liquide, seulement de vérifier avec votre pharmacien ou votre médecin qu'il n'y a pas de contre-indication dans votre cas. Finalement, je veux vous mentionner aussi les infections vaginales, hein, les mycoses. Un des trucs les plus importants, c'est éviter le sucre. Le sucre va vraiment nourrir les mauvaises bactéries, autant dans notre flore intestinale que vaginale. Donc, on fait attention au sucre raffiné et on y va du côté des bons probiotiques, des aliments prébiotiques comme le radis, l'ail, l'oignon. Pensez aux aliments fermentés aussi, comme la choucroute ou le miso. Ça va vous donner un bon coup de pouce pour avoir une super bonne flore, autant intestinale que vaginale. On s'en va maintenant voir une capsule reliée au thème du jour. Cette semaine, je m'arrête chez Santé en vrac et je viens rencontrer Marilène Lacroix, naturopathe, pour discuter de ménopause avec elle. Bienvenue à Manger Santé. Merci, Michel. Tout d'abord, j'aimerais que tu m'expliques comment tu en es venue à faire une formation en naturopathie. Moi, la naturopathie, c'est un changement de carrière, donc une deuxième carrière. J'ai toujours appliqué la santé naturelle, la naturopathie dans ma vie. Donc, j'avais le goût d'en faire profiter un petit peu les gens autour de moi, puis de transformer ma passion vraiment en carrière. Et quand tu reçois des clientes ici qui sont en période de ménopause, est-ce qu'il y a des secteurs un peu de leur vie, de leur hygiène de vie, pour lesquels tu leur donnes des conseils précis? Oui. Il y a trois points que je regarde avec eux. Le premier point, c'est le stress. Parce que le stress fait travailler beaucoup les glandes surrénales. Les surrénales, c'est deux glandes qu'on a au-dessus de nos reins. Plus les glandes travaillent, plus elles sécrètent du cortisol, plus elles s'épuisent à la longue. Ce qui arrive en ménopause, c'est qu'il y a une baisse de la production d'œstrogènes et c'est les surrénales qui prennent la relève. Si les surrénales sont épuisées, elles ne pourront plus, produire des œstrogènes. Et les œstrogènes, on a vraiment besoin pour la santé cardiovasculaire, la santé de la peau. Puis lorsqu'on en manque, c'est elles qui vont causer les bouffées de chaleur, la transpiration excessive, des déséquilibres dans la santé mentale aussi. Donc, on va aller gérer le stress. Ça va être la première chose à vérifier. Donc, c'est des produits qu'on va utiliser, soit en phytothérapie, en huile essentielle, gestion des émotions, plus en coaching de vie à ce moment-là avec d'autres personnes spécialisées dans le domaine. Là, on a parlé des surrénales. Ouais. Au niveau des organes, oui. Outre les surrénales, est-ce qu'il y a un autre organe? Je pense que tu as un foie. Un autre, oui. Le foie est important parce qu'on ne le sait pas, mais le foie a quand même plus de 500 fonctions. Dans le corps. Et on ne pourrait pas s'en douter, mais il va agir aussi là, sur la ménopause. Donc, si on sent qu'on a des problèmes de digestion, en plus de nos problèmes de ménopause, on va les travailler de ce côté-là aussi. Et finalement, bien, c'est sûr que je pense qu'on est d'accord là-dessus. L'alimentation, ouais. C'est un secteur... L'alimentation, bien, c'est la base de tout. Donc, en naturopathie, avant de conseiller des suppléments,
on va aller voir du côté de l'alimentation. C'est certain qu'on le sait, on va éviter les stimulants, les épices. Pour certaines personnes, ça ne fonctionnera pas là, durant la ménopause. Ça, il faut écouter son corps aussi là, de ce côté-là. Mais c'est sûr que l'alimentation, tantôt je parlais de la santé des surrénales, la santé du foie, c'est sûr que l'alimentation va aller aider les surrénales. Ça va aider la personne aussi à mieux gérer son stress. Puis ça va aider aussi à alléger un petit peu son foie là, pour le faire fonctionner plus facilement. Dans les produits en vrac qui sont ici, puisqu'on parle d'alimentation, est-ce que tu as un coup de cœur qui devient comme ça, une dame qui serait en pleine ménopause, qui voudrait mieux s'alimenter, est-ce qu'il y a un des aliments en vrac que vous avez ici, là, Bien, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce que ici, en vrac, c'est tous des produits naturels, donc pas transformés, pas d'additifs. Donc, que ce soit les légumineuses, les germinations sont vraiment intéressantes aussi. Il y a beaucoup d'enzymes dans les germinations. Ça aide à la digestion. Donc, c'est sûr que ça va faire partie là, d'un plan alimentaire. Tout ce qui est naturel, non raffiné, qui est biologique aussi. Donc, on retrouve tout ça ici chez Santandrac. Bien, je te remercie et on se retrouve dans quelques minutes pour regarder c'est quoi tes produits chouchou au niveau produits naturels là, pour la ménopause. Merci, à tantôt. Comme toujours, j'ai quelques petites suggestions lecture pour vous. La première cette semaine s'appelle « Ménopause et huile essentielle » de Daniel Festi. J'ai beaucoup aimé ce livre-là parce qu'il est très complet au niveau holistique. Donc, on vous parle, oui, entre autres, d'huile essentielle. On vous donne même des recettes pour faire des complexes à la maison qui vont vous aider avec certains symptômes de la préménopause et ménopause. Mais on parle aussi d'homéopathie, de phytothérapie, donc de certaines plantes que vous pouvez consommer qui vont vous aider. On fait le tour, là, vraiment, des symptômes qui peuvent vous accabler et des solutions naturelles, là, des suppléments aussi comme les probiotiques qui peuvent vous aider. Donc, très belle suggestion. Le deuxième livre s'appelle « Les livres de la ménopause » et moi, j'appellerais « La grande encyclopédie de la ménopause » parce qu'il est extrêmement complet. Donc, on parle de la préménopause et de la ménopause elle-même, mais on va vraiment là, aller du côté des suppléments naturels. On va avoir beaucoup de questions. Si j'ai tel ou tel symptôme, devrais-je consulter? On parle aussi des hormones. Est-ce qu'on devrait prendre des hormones ou non? Comment aborder le sujet avec notre médecin? Il y a des exercices d'étirement. On parle de probiotiques. On a vraiment là, de tout, là, du sommeil à la sexualité, en passant par les troubles d'humeur. Donc, très belle suggestion. Moi, je le proposerai en cadeau là, à quelqu'un qui approche la préménopause. Ma dernière suggestion, c'est un livre de la série « Savoir quoi manger ». Je vous ai parlé de cette série-là déjà à l'émission. Celui-là s'appelle « Ménopause, 21 jours de menu » par Alexandra Leduc, qui est nutritionniste. Si vous cuisinez peu, c'est une très belle option. Il y a beaucoup de menus, évidemment, on en a pour 21 jours, et c'est varié, du déjeuner jusqu'au souper. C'est simple, vous ne vous casserez pas la tête, c'est quand même coloré, muffin à la salade de fruits, on a des pains aux lentilles, donc c'est quand même santé. Et ce que j'aime, c'est qu'on axe beaucoup sur les protéines végétales. D'ailleurs, dans la section de théorie, au début, on vous parle de l'importance des protéines végétales, des fibres, des oméga-3. On parle de réduire votre apport en sodium. Donc, j'ai beaucoup aimé. Je vous le conseille. Donc, Marilyn, côté produits naturels, c'est quoi tes chouchous pour la ménopause? Oui, je commencerai avec la sauge esclavée ici, l'huile essentielle de sauge esclavée, qui est une plante qui contient des phytoestrogènes. Donc, elle va compenser pour la perte d'oestrogènes qu'on vit durant la ménopause. Elle va être efficace pour les bouffées de chaleur, transpiration excessive. Elle va agir aussi sur le système nerveux, donc irritabilité, stress, anxiété, insomnie. Tous des troubles là, qu'on retrouve durant la ménopause. On a la sauge esclavée aussi dans la teinture mère de la clé des champs. Donc, si on préfère l'utiliser en teinture mère, en goutte, qu'on met dans un petit peu d'eau, environ 3 fois par jour. Je peux revenir sur la sauge esclavée en huile essentielle. La façon de l'utiliser, c'est sur les avant-bras, donc directement sur les avant-bras, dilué dans un petit peu d'huile végétale, comme par exemple l'huile d'amande douce. Et je mentionne les avant-bras parce que la peau est mince, donc elle va rentrer facilement dans la peau et dans la circulation sanguine par la suite. On a Ménopausix ici aussi en teinture. Qui contient encore des plantes qui contiennent des phytoestrogènes. On a des plantes aussi calmantes pour le système nerveux et des plantes adaptogènes qui vont permettre de passer au travers de cette période-là, autant en calmant le stress qu'en redonnant de l'énergie. Tantôt, on parlait aussi de stress. Donc ici, on a Calmix
Si on sent que la ménopause est une période stressante pour nous, on va s'aider avec des plantes calmantes. Et par rapport à la digestion, le foie, on a le chardon maintenu qui est ici. Ça va nous aider là, pour notre foie qui va remplir ses fonctions là, importantes dans le système hormonal. Génial. J'aime que tu parles de l'huile essentielle parce que parfois, on les oublie. On pense aux teintures beaucoup. Là, tu as parlé de la sauge. Si tu avais une ou deux autres huiles essentielles à nous conseiller qu'on peut soit appliquer sur la peau ou peut-être au niveau utilisé oralement, est-ce qu'il y en a une ou deux là, auxquelles tu penses là, rapidement? J'irais avec la lavande et ça peut être la bergamote aussi, une ou l'autre. On connaît la lavande pour ses effets calmants. Donc, si on sent que c'est le stress qui nous cause des problèmes là, durant la période de ménopause, on va aller avec la lavande, la bergamote aussi. Puis, si on est plutôt du type irritable, de mauvaise humeur, je rajouterais le pamplemousse ou l'orange, qui sont des huiles de la bonne humeur qu'on met soit sur la peau, pas avant d'aller au soleil par contre, parce que c'est photosensibilisant, mais sinon on peut le mettre aussi en diffusion, si on a un diffusant d'huile essentielle. Donc, des très belles suggestions. Je te remercie beaucoup. Bienvenue. Alors, on se lance dans nos deux recettes du jour, qui sont des recettes déjeuner. On a un tofu brouillé, donc l'équivalent des œufs brouillés, mais en version végétarienne, et on a aussi un muesli. Les muesli achetés en magasin sont souvent très sucrés, ils contiennent du sel, des mauvais gras, donc aujourd'hui, on va se faire une version santé maison. Et la raison pour laquelle j'ai choisi des déjeuners, c'est que souvent, les femmes qui sont en préménopause et en ménopause, qui viennent me voir en nutrithérapie, je réalise dans leur menu que le matin, ils ont très peu de protéines et de bons gras. Beaucoup de glucides, donc des sucres, des pains, des muffins, des confitures et des fruits, mais très peu de bonnes protéines et de bons gras qui vont tout d'abord nous permettre de faire une partie de l'avant-midi sans avoir faim, en gardant une énergie. On va nourrir le cerveau aussi, mais ça va vraiment aider aussi pour plusieurs symptômes reliés à la ménopause. Donc, on débute avec notre tofu. Et là, je vais faire une plus petite portion parce qu'un bloc complet de tofu, là, ça fait vraiment une grosse portion pour les œufs brouillés version végétarienne. Si vous coupez votre tofu et que vous en utilisez seulement une partie, ce que je vous conseille, c'est de garder le reste du bloc dans l'eau. Mettez-le dans un contenant là, fermé hermétiquement au frigo et vous pouvez le garder quelques jours, là, 3 à 4 jours, en changeant l'eau tous les jours. Donc là, ma technique. Aujourd'hui, ça va être d'écraser le tofu avec une fourchette. Mais juste avant ça, ce que je vais faire dans ma poêle qui a commencé à chauffer, je vais mettre de l'huile d'olive, pardon, pour débuter, mais je vais partir une gousse d'ail. Puis pendant qu'elle grille, je vais vous montrer ma technique là, avec le tofu. Donc, il y en a partout, ça revole. Alors, gousse d'ail. Là, vous allez voir les ingrédients que j'utilise, là, c'est systématiquement des aliments dont je vous ai parlé tout à l'heure qui sont bénéfiques pour la période de la préménopause et de la ménopause. Donc ça, c'est un beau combo, là. Évidemment, le tofu, c'est un des phytoestrogènes dont on a parlé. Donc, pendant que mon ail va griller, là, vous pouvez vous donner une chance, là, ce que je vais faire, je vais me faire des petites tranches. Et je viens vraiment écrabouiller mon tofu. Et là, en fait, c'est une question de texture. Hein? Vous pourriez vous faire des petits cubes. Vous pourriez le passer au mélangeur aussi. Si vous avez un Thermomix, un Vitamix, par exemple, là, quelques secondes, votre bloc de tofu dans un mélangeur de ce genre-là, ça ferait le travail. Donc là, moi, je vais faire des petits cubes aujourd'hui, mais je voulais vraiment vous montrer la technique. Là, si vous voulez la vraie texture, comme si on avait des œufs brouillés, vous voyez, là, en écrasant avec la fourchette, on vient vraiment avec une toute petite texture là, granuleuse, presque comme un œuf brouillé, justement. Donc, là, ce que je vais faire, pour les besoins de l'émission, pour ne pas faire toute ma moitié de bloc en tout petits morceaux, je vais vraiment le couper avec mon couteau. Mais vous voyez la technique à utiliser. Donc là, je surveille mon ail qui commence à griller doucement. Mais je ne veux pas qu'il brûle. Et l'ail, c'est un prébiotique aussi, hein, donc... Et j'ai parlé tout à l'heure là, de plusieurs bénéfices de certains aliments, mais je vous ai parlé des probiotiques, mais les prébiotiques, c'est les fibres qui nourrissent nos bonnes bactéries, nos probiotiques dans notre intestin. Donc, d'intégrer de l'oignon, du poireau, du radis, de la pomme, de l'ail. Ce qui est intéressant, c'est que ça vient nourrir les bonnes bactéries. C'est un prébiotique. Donc, on aime ça. Notre flore intestinale en santé va nous aider au niveau de l'humeur, entre autres. Et ça va nous prémunir aussi au niveau immunitaire, donc c'est pas nécessairement relié à la ménopause, mais ça reste intéressant d'éviter les virus et les bactéries. Je vous en parle souvent.
Donc, là, ce que je vais faire, je vais venir griller un peu mon tofu. Et là, je réalise que je ne l'ai pas tout fait. Pendant qu'il commence à griller, je vais monter le feu un peu. Et je vais couper ici le reste de mon bloc. Pendant que je coupe ça, je vous dis que j'ai préparé deux épices. Aujourd'hui, j'ai préparé du piment de Cayenne pour donner un petit peu de punch. Et j'ai du cumin aussi. Vous pourriez ne pas mettre aucune épice. Vous pourriez mettre des herbes fraîches. Là, j'ai un petit peu de persil qui a de la belle vitamine C, qui a du fer aussi. Hein, tout ce qui a des feuilles vertes, on a du fer. Il va être plus facilement absorbable lorsqu'on cuit. Les épinards, dans ce cas-ci, on va les cuire et donc on va mieux absorber le fer. Sinon, il y a un acide qu'on appelle l'acide oxalique dans les feuillus, dans les légumes à feuilles vertes. Et quand on cuit nos légumes à feuilles vertes, on élimine l'acide oxalique qui empêche de bien absorber le fer. Donc, c'est pour ça que je dis souvent aux gens, mangez cru parfois, mangez cuit d'autres fois, on va chercher tous les bénéfices. Donc, dans ce cas-ci, notre persil ne sera pas cuit, c'est pour la décoration, mais les épinards, eux, vont l'être. Donc, on va aller chercher du calcium dans ces légumes-là, du fer aussi, la vitamine C. Donc, mon tofu saute et je vais tout de suite ajouter un petit peu de piment de Cayenne, pas beaucoup, parce que c'est puissant. Un petit peu de cumin. Je vais ajouter tout de suite mes champignons aussi, parce que je veux quand même qu'ils cuisent un peu. Là, le tofu, évidemment, c'est pas comme si je mettais une viande dans ma recette. Le tofu n'a pas besoin de cuire nécessairement. C'est plus au niveau grillade, là, pour qu'il soit doré. C'est ce qui est plus intéressant au niveau du look. Mais vraiment, vous pourrez faire la cuisson là, pour les besoins de l'émission. Je ne cuirai pas aussi longtemps que je cuirais normalement. J'attendrai probablement que mes épinards soient complètement tombés, que mes champignons soient très grillés. Ça dépend vraiment de votre goût. Et évidemment, plus votre tofu va être coupé petit, si vous l'écrabouillez, là, comme tout à l'heure, j'expliquais, pour que ça fasse vraiment une texture d'œuf brouillé, il va griller plus vite, évidemment. Donc là, je vais mettre l'équivalent d'à peu près une tasse de bébé épinard. Juste pour les faire tomber, ça sent super bon. Les épices, l'ail, ça sent super bon. Et là, on va ajouter des bons gras, entre autres, avec des olives. J'ai des olives noires ici. Tantôt, je les ai mentionnées, là, au niveau des bienfaits pour la ménopause. J'ai des olives noires qui sont déjà tranchées. J'en ajoute quelques-unes. Je vais mettre un petit peu de sel. Mais avec les épices, hein, pas besoin de trop saler. Et ce que je me suis mis de côté pour la présentation, pour ajouter encore d'autres bons gras, je vous le dis, là, le matin, on oublie à quel point les bons gras peuvent faire une différence. C'est la nourriture de notre cerveau. Hein. Notre cerveau, notre système nerveux, là, c'est constitué en grande partie de gras. Donc, pour la présentation, moi, je vais garder du craquant un peu dans mes épinards. Ils ont tombé légèrement, mais pour les besoins, puisqu'on a une autre recette à voir ensuite, je vais amener mon assiette. Et je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Je vais venir verser mon petit déjeuner ici. Et ça, c'est nourrissant. Là, on s'entend, là, j'ai plusieurs portions là-dedans. Encore une fois, c'est pour les besoins, l'émission, pour vous montrer de quoi ça a l'air. Je ne mangerai définitivement pas tout ça d'un coup au déjeuner. Donc, mon petit tofu, je viendrai mettre quelques belles tranches d'avocat, des bons gras. Hein, on n'a pas peur des bons gras. Il faut en incorporer. Et un tout petit peu de persil pour la décoration. Et voilà! Et voilà! Donc, notre tofu brouillé et je fais un petit ménage, je vous reviens tout de suite. On va se faire des muesli pour accompagner ça. Donc, on se lance et on poursuit avec nos muesli. Grains entiers, idéalement à la base d'un muesli. Ici, j'ai utilisé de l'avoine. Encore une fois, vous allez avoir toutes les quantités sur le site de ma TV et sur ma page Facebook. Donc là, j'ai fait moitié-moitié, une tasse de flocons d'avoine et une tasse de flocons d'épeautre. Vous pourriez utiliser du camus, du sarrasin, là, vous avez le choix vraiment. Des noix, des belles noix grillées. Dans ce cas-ci, j'ai pris des pacanes, des amandes très délicieuses, des noisettes. Donc, crues, ça peut faire l'affaire, mais moi, elles sont déjà grillées. Elles vont griller un petit peu là, au four. Le sésame, graines de sésame blanches ou noires. Le sésame, c'est l'une des meilleures sources de calcium végétal qui existe. Donc, c'est hyper intéressant. Là, j'en mets un petit peu à travers tout ça.
Le lin, je viens tout juste de le moudre. On veut le moudre avant de le consommer, sinon il va oxyder. Le chia, le chanvre aussi, ça serait des belles options. Les graines sont souvent négligées. Là, je le vois très rarement dans les journaux alimentaires de mes clients. Et c'est dommage parce que c'est une très belle source de bons gras et de protéines végétales. Donc là, je mélange rapidement. Graines de citrouille, ça pourrait être graines de tournesol aussi. Je ne les avais pas grillées à l'avance parce que là, ça s'en va au four. Je vais mettre des belles canneberges qui ont été sucrées au jus de raisin. Donc, je pense que je vais les mettre au complet. On aime quand même avoir des fruits séchés, des raisins secs, là, aurait fait l'affaire, évidemment. On essaie de les prendre le plus naturel possible. Là, je parlais du jus de raisin aussi. On essaie d'éviter les sulfites. Je vais mettre une petite pincée de sel. On veut l'équilibre des saveurs, là, salé et un petit peu de sucré pour faire ressortir le sucré. Et là, parlant de sucre, d'habitude, là, les muesli, très, très sucrés quand on les achète en magasin, je mets 3 cuillères à soupe de sirop d'érable. Vous pourriez en mettre plus, vous pourriez en mettre moins, mais c'est déjà beaucoup plus intéressant que d'avoir des sucres ajoutés. Donc là, je vais mélanger comme il faut. Et là, comme je dis souvent, là, soyez créatifs. Vous n'êtes pas obligé de suivre la recette à la lettre. Changez les grains entiers et essayez des nouvelles noix, des nouveaux fruits séchés, les graines aussi. C'est un peu comme les barres tendres. Essayez de jazzer ça une fois de temps en temps. Et là, c'est simple. Plaque. Je vous conseille un papier sulfurisé ou un papier parchemin. Moi, ma plaque ne colle vraiment pas. Elle va très, très bien, cette plaque-là. Donc, on ne se casse pas la tête. On met ça sur notre plaque. Ça va aller au four environ 15 minutes. Surveillez. On ne veut pas que ça brûle. On veut juste que ça soit bien grillé. Vous allez sentir le parfum de toute façon. Donc, je mets ça 15 minutes à 400 degrés. Je vais venir revenir avec le résultat. On va mettre ça sur un beau yogourt de coco là, avec des fruits frais. Pour avoir les recettes de l'émission, pour en savoir plus sur mes services et pour connaître les dates de mes ateliers et retraites santé, je vous invite à visiter ma page Facebook. Alors, voici notre résultat final. Notre granola est absolument délicieux. Ici, j'ai utilisé des bleuets et un yogourt de coco. Vous pourriez le faire à la maison, mais une marque qui fait un produit extraordinaire actuellement, qui est très populaire, c'est la Maison Riviera. Donc, c'est un produit québécois. Par contre, assurez-vous de prendre la version nature. C'est sûr que la version dessert est intéressante, mais elle est beaucoup plus sucrée. Donc, il y a diverses saveurs, là, mais la version nature pour le matin, pour remplacer le yogourt de produits laitiers, très, très intéressant avec notre granola. La semaine prochaine, on parle d'achat local et d'alimentation selon les saisons. C'est un rendez-vous!